Aujourd'hui, dans un jour, un engagement, on va s'intéresser aux actions solidaires avec Nathalie Dechy. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors hier avait lieu cette fameuse fête caritative ici à Roland-Garros avec déjà beaucoup de monde dans les allées. Oui, on a été 25 000. Je pense que c'est la première fois depuis le Covid. Donc un vrai plaisir de retrouver énormément d'enfants dans le stade. Pas mal d'enfants des associations, beaucoup de familles, une journée très conviviale et c'était très chouette. C'était ouvert, je crois que vous avez offert quelques places aux associations, même dans les qualifs. Oui, alors c'était aussi la nouveauté de cette année. C'était une année un peu test sur les qualifications, essayer de faire vivre les qualifications au plus grand nombre. On est vraiment content des chiffres. On a vécu surtout un super mercredi avec des records à 9000 personnes dans le stade, avec, je pense, une journée assez dingue pour les enfants. Ils ont eu les matchs des qualifs, ils ont eu les entraînements sur le court central, avec même l'arrivée de Raphaël Nadal à 18h en bonus cadeau. Donc honnêtement, ça nous a vraiment montré voilà, que le retour des gens dans le stade, le retour un peu des enfants, des familles, cette version solidaire des qualifs était quelque chose qu'on avait envie de faire grandir pour l'année prochaine. Et c'est vrai que le chiffre est significatif, hein, plus 29% de personnes dans le stade pendant les qualifs, et ça c'est énorme. Il y a un sujet aussi que tu aimes particulièrement, ce sont les actions aussi qui concernent le RSE. Ouais, alors dans la RSE, bien sûr, là on a parlé de la partie solidaire, il y a la partie environnementale où on essaye de s'améliorer année après année. On a toujours plein d'actions, alors c'est difficile d'en mettre une ou deux en avant, mais je retiendrai sur la partie alimentaire le fait que dans le stade on a de plus en plus d'alimentation responsable, d'alimentation bas carbone on appelle, voilà, donc on espère que les gens vont voir la différence aussi là-dessus. On a mis en place un plan vélo il y a quelques temps, que les gens vont de plus en plus venir en vélo. Je pense que ça rentre dans les mentalités. Même ouais. Moi, je viens en vélo. Voilà. Et il y a des parkings. Et surtout, il y a un super parking côté nord. On peut faire réparer son vélo en même temps. Donc, on peut venir profiter des matchs et en même temps, le vélo passe à la réparation. Donc, voilà, c'est des petites actions. Et les gourdes. Oui, ouais, vous avez remarqué que sur les cours de tennis, les joueurs n'utilisent plus de bouteilles en plastique, mais ont des gourdes qu'ils remplissent ou parfois les ramasseurs de balles les aident à remplir parce qu'il leur en faut beaucoup, les boissons énergétiques, les boissons, il a fait très chaud pendant les qualifs. Mais voilà, on a même sur notre population joueur, on est en train de modifier les comportements. Et ça nous fait qu'au final, on aura forcément un impact sur tout ce qui est recyclage. Et on aura encore de meilleurs chiffres en fin de quinzaine. Quoi. Merci Nathalie. Merci et bon tournoi.